Alors ça commence très mal hein, pour la macroniste Valérie Ayé. Oui, hein, elle est tête de liste aux européennes pour Renaissance, pour la Macronie quoi. Hein. Et donc là, André Bercoff la dézingue. Ouais, il la dézingue. Ouais, il dézingue son meeting là qu'elle avait fait il y a quelques jours. Hein. Oui, ça fait très 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 mal. Hein. Je crois que je n'ai jamais eu autant de haine pour un parti. Hein. Oui, je sais, c'est pas bien la haine, mais là, je suis désolé, c'est plus possible. Bref, écoutez et regardez. Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. Voilà, c'était le meeting de Valérie Ayer, magnifique, hein, voilà. Ceux qui disent quand même que peut-être que l'Europe aurait joué un rôle médiateur entre les États-Unis et la Fédération de Russie, non, non, vous êtes des collabos, voilà, vous êtes des Munichois, Munichois, oui c'est vrai, Munichois. J'ai envie de lui dire un peu vulgairement, Munich ta mère. Oh putain, même moi j'aurais pas osé la faire, hein. Ah ouais, j'aurais pas osé la sortir. Ah, Valérie Pécresse sort de ce corps. Valérie Ayé, Valérie Pécresse, même combat dans la nullité. Vous m'avez manqué. Nous sommes à Munich en 1938. Ah, il y a match hein, entre Valérie Pécresse et Valérie Ayé. Qui est la meilleure dans la nullité? Dites-le en commentaire, c'est qui la meilleure? Eh, il manque plus que Hidalgo et on a les trois cruches réunies. Hein. J'ai envie de lui dire un peu vulgairement, Munich ta mère.